انا اسمي دكتور محمد الدين. بنحكي عن انفجار الكوفيد 19 في غزه في هذه الاثناء اللي احنا بنعيش فيها. احنا حاليا في شهر 27/21. وضع الكوفيد في غزه نوعا ما بدا في تراجع ما بعد ما كان في ذروه الانتشار تبعته من شهر مارس الماضي. من شهر مارس لحد الان تم تسجيل عدد كبير من الاصابات في غزه. كان كثير من الحالات تطل انها تدخل المستشفى. كانت اكثر الحالات اللي بتفوت في المستشفيات هي مرضى كبار السن، حيث انه عالميا اكثر مرضى معرضين لخطر الاصابه بمضاعفات الكوفيد هم مرضى كبار السن ومرضى الامراض المزمنه كمرضى الضغط والسكر والسرطانات، لانه هذه الامراض تساهم في تثبيط. Je m'appelle Mohamed Eddib, je suis médecin de Gaza, spécialiste de Covid. Donc, je vais parler aujourd'hui de cas de Covid 19 dans la bande de Gaza. Il y avait deux étapes. Entre mois de mars et juin, il y avait une augmentation de cas. Mais à partir du mois de juillet, il y avait un recul. Et donc, le nombre de cas infectés, c'est moins de 100 cas. C'était 1000 cas auparavant, maintenant moins de 100 cas. Et le nombre de morts était entre 9 à 20 morts. Aujourd'hui, 1 ou 2 morts par jour, 1 ou 2 décès. Donc, grâce aux mesures préventives prises par les autorités sanitaires de Gaza, donc, c'est pour cela qu'on a annulé le couvre-feu. Et grâce aux efforts des médecins et des autorités sanitaires, et on a beaucoup de hôpitaux comme l'hôpital européen et les efforts de Croix-Rouge internationale qui a développé ces infrastructures, même si les vaccins sont disponibles et même si le nombre de lits d'aération sont limite, même pas 50, mais grâce aux efforts de corps médical, la situation est maîtrisée.